N'a jamais mis les pieds à terre. Avant de mourir, son père m'a filé toutes ses économies, une vie de boulot, putain. Et il m'a fait promettre de ravitailler son gosse régulièrement. Il y a eu un an de travail sur ce projet. Le spectacle est sorti à la Maison de la Vallée au mois de novembre 2014. Donc c'est la Maison de la Vallée à Lucien Sauveur qui nous a suivis, qui nous a soutenus durant tout le temps de création. Alors ils l'ont caché à l'intérieur du phare. Donc c'est un gardien de phare en pleine mer qui est là puisque son père était gardien de phare et qu'il est né dedans. Et que surtout ses parents, à cause d'une difformité, l'ont caché dans ce phare. Et donc ce gars, aujourd'hui à 50 ans, il n'a jamais mis les pieds à terre, il ne connaît pas le monde. Et son père a donné son argent, tout son héritage à un pêcheur pour ravitailler son fils. Donc il est ravitaillé par un pêcheur qu'il n'a jamais vu non plus, avec qui il n'a jamais parlé, qui lui pose des caisses de vivres devant le phare. Et la seule distraction de ce bonhomme, c'est son poisson rouge, un peu de pêche à la ligne, et puis surtout son précieux dictionnaire. Et avec ce dictionnaire, il joue au jeu du dico, il tombe sur un mot, et en lisant la définition, il part dans des rêves, il imagine ce que peut représenter ce mot, à quoi ça peut ressembler dans le monde réel, etc. Jusqu'au jour où... On est tous tombés amoureux de cette bande dessinée dans le projet, d'abord indépendamment, et puis après on s'est rencontrés autour de cette bande dessinée aussi. On a juste coupé quelques passages pour pouvoir l'adapter sur une scène, pour que ce ne soit pas trop long non plus. Donc on a un spectacle d'une heure qui est vraiment quasiment copié-collé du scénario de la bande dessinée. C'était vraiment notre souhait de pouvoir travailler autour de cette histoire-là, en reprenant les personnages des pêcheurs qui sont tout aussi importants que le personnage du gardien de phare. La petite nouveauté par rapport à l'univers de BD qui est un univers littéraire, avec le théâtre on a apporté une dimension musicale à ce projet, avec donc la présence sur scène de Laurent Guiton avec son tuba qui fait tout l'accompagnement musical et aussi tous les bruitages, la mer, le bateau, etc. Donc sur scène nous sommes trois, deux comédiens, un musicien. Il s'appelle Tout Seul. Enfin... c'est comme ça qu'on l'a surnommé. Je connais même pas son vrai nom. Il s'échappe en courant à chaque fois que quelqu'un approche du rocher. Toute une vie à tourner en rond sur son caillou. Au départ, on est parti dans la volonté de rien s'interdire, de toutes les idées qu'on pouvait avoir autour de cette bande dessinée, se dire que c'était possible de les réaliser. Pour le masque, là, les premiers essais, voilà, il n'a pas exactement la même tête, mais ça fonctionne quand même parce que c'est. Je pense que ceux qui auront lu la BD vont dire ah purée. Il a vraiment la gueule du personnage de la bande dessinée. Pour ceux qui ne l'auront pas lu, c'est pas grave, ça fonctionnera quand même. Et même s'il n'a pas exactement la même bosse au même endroit, c'est pas un souci. Et ça a été un petit peu notre ligne directrice aussi, d'utiliser la bande dessinée au maximum, mais de ne pas se cloisonner dedans aussi. Et on a essayé de garder, c'est un petit peu aussi ce noir et blanc, cette idée de noir et blanc, d'ombre, lumière, tout ça, qui fait le lien au final de ce spectacle et qui fait que tous les créateurs se sont retrouvés autour d'une même envie de créer, d'une même idée.